vous allez bien. On est mercredi le 6 avril, donc le 6e jour de vlog. Alors aujourd'hui le programme, eh bien déjà c'est mercredi, donc c'est assez speed on va dire le matin, tout simplement parce que Enzo commence plus tôt l'école. Et il faut que je retourne à la banque pour redéposer un chèque, donc à la banque de mon chéri. Non, il ne reçoit pas des chèques tous les jours, mais là le patron avait décidé de leur donner un acompte plus le solde de tout compte. On a un peu tardé avant de mettre l'acompte, voilà pourquoi, voilà, deux jours de suite, je vais à la banque. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, il faut que je passe à ma banque pour également déposer un chèque. Et là je suis super contente, c'est le chèque de remboursement des frais de transport de réservoir prod. Donc quand j'étais à l'émission C'est mon choix, je l'ai eu il y a quelques jours déjà, donc j'ai pas encore vraiment, je me suis pas prise le temps en tout cas d'aller à la poste. Là je le ferai, et il faut que je retire de l'argent puisque vendredi je vais voir Patricia, donc l'acupunctrice. Une fois que je rentre, hormis la mom routine, il va falloir que je monte le vlog de... je fais n'importe quoi du coup, je me concentre pas sur ce que je fais n'importe quoi. Il va falloir que je monte le vlog de hier, que je vous le mette en ligne et que je filme encore absolument ce matin la vidéo pour vendredi, non pas vendredi prochain mais le mardi d'après, puisque vendredi prochain c'est un tuto et voilà, je suis déjà en train de me maquiller. Bon, 8h35, dans 10 minutes Enzo rentre en classe, tout va bien, on n'est pas encore parti. Moi je suis dans la voiture, hein, mais lui il n'est pas encore prêt, enfin bon, tout va bien. Sinon ce que j'ai fait depuis, j'ai fait mes stats, j'ai fait pas mal de choses, j'ai répondu aux commentaires, il n'y en avait pas beaucoup. Et j'ai ramassé parce qu'il y a Tommy qui m'a mis un super cadeau dans le salon ce matin, donc bien hein, pour commencer la journée. Donc là j'emmène le petit, je dépose la lettre aux impôts que je devais déposer hier, je passe à la banque de mon chéri, je passe à ma banque et après je rentre. Avant que j'oublie, le point météo pour Corinne qui m'a fait remarquer dans le vlog de il y a deux jours que je l'avais oublié. Donc ma belle, et ben voilà, point météo, il fait super 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 beau. Je sais pas si vous allez bien voir, mais il fait super beau. Enfin bon, super beau, là c'est encore un petit peu couvert. Mais il fait quand même, à mon avis, il va faire beau aujourd'hui. Seul bémol, bah, il fait froid. Bon, je soupçonne quand même le syndicat des animaux rampants d'avoir créé une autoroute là, dans la grange. Parce que hier c'était l'escargot, là c'est l'animas. Je comprends pas tout hein, quand même. Hein. Faut vérifier ça parce qu'ils vont se mettre en guerre là, je le vois bien ça. On va être envahis. Bon, sinon bien sûr une youtubeuse ne se salit jamais les mains, une youtubeuse ne fait jamais les tâches quotidiennes, etc. Et bah si, parce que moi je cherche mon bois toute seule, parce que si je ne le cherche pas, je me caille le fion et non, j'ai pas trop envie. Il fait super beau, vous le voyez en plus là, le soleil et tout qui rentre partout, mais il fait froid, donc il faut faire du feu. Bon là ça va, je cherche que du petit, mais je pense que je vais devoir chercher du gros encore dans la journée. Bon bah, il n'y a pas trop le choix, hein. Ça commence à être la dèche. Et ma chatoune, oui, il faut que je vous la montre quand même. Ma chatoune, bon, elle fait la gueule. Elle fait la gueule parce qu'elle reçoit pas à manger. Mais il faut qu'elle chasse encore un peu les souris, parce que si elle reçoit à manger tous les jours, elle ne fout plus rien. Elle se dort la pilule au soleil et après on a niveau des souris partout. Qu'est-ce qu'il y a, ma chatouille? Tu me fais la gueule. Ouais, tu me fais la gueule. Ok, d'accord, j'ai compris. Bon, ça y est, vidéo tournée. Voilà, donc à vous de savoir ce que ça va être. Ce sera la vidéo pour vendredi prochain. Maintenant, il faut que je commence à monter ça. Bon, je reviens rapidement, même si là je démarre en fait le montage de ma vidéo pour la semaine prochaine, mais je reviens parce que ça y est, je l'ai eu, l'exemplaire du Naturisme Magazine dans lequel j'ai fait mon interview. Donc je sais pas, ça fait bizarre, même si j'ai déjà relu l'interview et que ça collait parfaitement à ce que j'ai dit et qu'il n'y a rien qui a été changé et tout, mais là, la voir vraiment là-dedans, ça fait un peu bizarre. Donc sur la couverture, ben voilà, là déjà le choix d'une youtubeuse, d'une blogueuse beauté. Ensuite dans le sommaire, ben c'est là. Et alors quand on commence à regarder le magazine, voilà, ça y est, c'est là. Ça peut paraître bête, puéril,
dénué de sens, tout ce que vous voulez, mais ça fait trop bizarre de le voir enfin là-dedans, je sais pas, ça fait bizarre et je suis contente de moi. Je suis aussi super contente que Jean-Luc, qui m'a proposé l'interview, a respecté ce que je lui avais envoyé comme réponse et que ça n'a pas été changé, etc. Donc vraiment top. La prochaine, c'est une interview que j'ai déjà fait par téléphone cette fois-ci et qui devrait sortir en juin dans le magazine Maxi. Donc là, là on attend. Voilà, là pour l'instant j'ai pas plus de nouvelles, donc il va falloir attendre encore un petit peu, 2 mois, avant de savoir ce que ça donne, mais là je suis super contente. Bon, une bonne chose de faite, j'ai écrit dans mon cahier, donc depuis le premier en fait j'avais rien écrit, donc il y avait le vlog du premier, mon article look que j'avais fait, alors je fais toujours un croquis en... Moi ça me permet en fait de savoir comment je positionne les trucs avec le détail donc des produits que je vous ai proposés. Après il y a eu l'interview donc par rapport au Naturisme Magazine, ça c'est l'article de hier. Et d'aujourd'hui donc les réponses à la FAQ, voilà, donc j'avais déjà tout noté sur des papiers et là je les ai collés, voilà. Et après que j'ai fait ça, de l'autre côté, forcément, le checking de, oui j'appelle ça comme ça, de tout ce que j'ai fait, c'est-à-dire qu'en gros, il y a le tournage, le montage, la mise en ligne, il y a des annotations, s'il y a des annotations à mettre, quand ce sont des articles, voilà, donc là j'ai les différentes couleurs, et quand je le partage que sur Facebook ou sur tous les réseaux sociaux, donc voilà, ça c'est fait, maintenant je peux aller chercher Enzo à l'école, et mon vlog du jour est en importation encore à hauteur de 26%, il reste 125 minutes, c'est compliqué. Il est 3h20, je suis sur le montage de ma vidéo de je sais plus quand elle est, pas de mercredi prochain, mais mercredi d'après. Et j'ai un dilemme, j'adore la luminosité, la vidéo elle est concise et tout, c'est bien. Par contre j'ai un haut, donc j'ai le même haut que là. Et je me rends compte que mon haut est légèrement décalé et que on voit le départ de ma poitrine. Donc je suis fixée sur ça. Vous ne l'aurez peut-être pas vu si je vous l'avais pas dit là. Mais ça me perturbe. Je suis en train de me demander si je vais pas carrément tout enlever, mais ça m'embête parce que vraiment tout est bien. Je sais pas. Sinon, j'ai toujours pas fait ma miniature pour le vlog qui doit sortir dans 40 minutes, mais je vais d'abord finir là ma vidéo. Et ensuite, il faut que je regarde forcément le dernier épisode de The Walking Dead que je n'ai pas encore regardé. Et ça, alors pour des personnes, certains d'entre vous vont dire oui. Mais n'importe quoi, elle pourrait bosser, elle pourrait faire plein de trucs, plein de vidéos, plein d'articles. Et elle regarde ses vidéos. Alors moi, le mercredi après-midi. Vu que le mercredi c'est une journée où il y a vraiment des coupures puisque le petit n'est à l'école que le matin, l'après-midi il attire à l'arc, etc. Le mercredi après-midi c'est mon moment à moi où je regarde les séries. Donc voilà, j'ai aussi le droit. Le dernier épisode de The Walking Dead, donc le 16e épisode de la saison 6, je viens de le voir, il vient de se terminer. Donc c'était... à peu près une heure. Alors c'est le tout dernier, les prochains seront au mois d'octobre je crois, si je me trompe pas. Tout le monde attendait, même dans les journaux et tout, comme quoi ce serait le meilleur épisode qui n'a jamais été tourné jusqu'à présent. Je m'attendais à du grand waouh. Sans spoiler, enfin voilà. C'est quoi cet épisode? Une heure pour ça. Donc là, bon, effectivement, on veut savoir qui c'est à la fin, qui l'a choisi. Comme dit, je veux pas spoiler, donc vous en saurez pas plus. Voilà, c'est chelou, quoi. C'est... je sais pas.
Je reviens parce qu'il est 7h30 et que c'est la dernière fois que vous me verrez aujourd'hui dans ce vlog. Pourquoi ? Parce que là maintenant ça va être le repas, etc. Et franchement c'est pas intéressant du tout. Donc qu'est-ce qu'on mange ce soir ? On va manger des crêpes au jambon, fromage, avec des frites et avec salade de betterave rouge, voilà. Tout simplement, c'est vraiment rien d'exceptionnel. Mais avant d'aller à la douche, je voulais vous montrer quand même ma tenue parce que apparemment vous adorez le point météo, ma tenue et l'humeur. Et c'est vrai que l'humeur, je l'ai pas fait encore jusqu'à présent. Mais c'est parce que je me sens pas top en ce moment. Donc plutôt que de vous dire que je me sens pas top, j'ai préféré essayer d'esquiver. Donc pour le point météo, vous l'avez eu. Pour la tenue, c'est pas compliqué. C'est ce que j'avais déjà hier. Donc j'avais mon gilet en plus, le gilet noir dessus. Mais sinon, alors si je tombe par mon écran, toujours pareil, hein, les soucis d'écran. Donc j'ai mon... Ça c'est un t-shirt. Tout simple hein, en fait hein. Et avec toujours mon jean. C'est un t-shirt qu'on a trouvé à Emmaüs et je l'ai payé 50 centimes, enfin mon chéri l'a payé 50 centimes et je l'adore, il est juste top. Et franchement je sais pas ce que vous en pensez, mais pour 50 centimes il est, enfin voilà quoi, il est génial, moi j'adore. Sinon j'avais rien d'autre hein. J'ai changé les boucles d'oreilles puisque là j'ai mis des boules noires mais qui sont beaucoup plus grandes que celles que j'ai d'habitude, et d'habitude je mets des roses nacrées, enfin voilà. Et j'ai un bracelet que Nico m'a fait il y a pas mal de temps, qu'il m'avait offert. Moi je le trouve vraiment très joli, il est simple mais je l'aime vraiment beaucoup, ce bracelet. En ce moment je le porte quasiment tous les jours. Voilà, j'espère que ce vlog vous aura plu, ça n'aura été mais alors absolument rien de passionnant. Mais c'était une journée paperasse. Les mercredis en général sont des allers-retours, c'est pas grand chose en fait. Je vous fais plein de bisous, je vous remercie encore d'être aussi content et aussi dans du positif et tout par rapport à mes vlogs, ça fait vraiment vraiment plaisir. Et surtout n'oubliez pas d'aller voir mon article que j'ai mis sur mon blog début de semaine par rapport à mon interview dans Naturisme Magazine. Parce que j'ai envie de partager ça avec vous. Et là on est mercredi, demain, vous le verrez de toute façon dans le vlog, mais demain je poste un article un petit peu spécial. Je commence une collaboration. Donc c'est pas du tout une collab vidéo. Hein. Je participe à quelque chose qui est plutôt sympatoche. Donc voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à demain.